Wesh YouTube, comment tu vas? Moi ça va nickel, le chat Twitch aussi visiblement a l'air d'aller nickel. Aujourd'hui, je te retrouve tout simplement pour regarder la saison 3. Résumé foireux de l'attaque des titans de Crazy Bomb World. Vous avez été beaucoup à me demander vite, fais la saison 3. Évidemment, les réacts Crazy Bomb, ça vous intéresse toujours autant. Donc, du coup, on regarde ça tous ensemble. Comme vous pouvez voir, plein de coucou YouTube. N'hésitez pas à venir du coup sur Twitch du lundi au samedi à 18h. Twitch.tv/minotestreaming. Et je le rappelle, le lien est dans la description. T'as juste à cliquer dessus pour pouvoir follow. C'est vraiment, vraiment, vraiment ultra simple. On va y aller. 13 minutes de Crazy Bomb. Parce que c'est Tipa, hein. Dans le présent. Caporal, un message urgent d'Erwin. Il a dit qu'il a été arrêté par l'État. Cher Levi, si tu lis cette lettre, c'est que les hautes sphères m'ont arrêté car ils étaient jaloux de mon magnifique faciès. Ou parce qu'ils me soupçonnent d'organiser un coup d'État en utilisant Eren et Historia. Je ne sais pas trop. Zoubi zoubi, Erwin. Bien joué tout le monde, vous êtes devenus des fugitifs recherchés par l'État. Comme si on galérait pas assez avec les titans, maintenant faut galérer avec les humains. Au départ, je voulais juste tuer des titans, moi. La vie, c'est pas blanc ou noir. Arrêtez de croire aux contes de fées. Est-ce qu'on peut toujours croire aux fanfictions, au moins? T'en as pas marre de poser des questions? C'est que, pour le coup, elle a vraiment une tête en scie. Maintenant qu'ils ont fait cette blague, je la vois vraiment avec une tête de meuf qui lit des fanfics. Je sais pas pourquoi. Ça y est, Crazy Bomb, il révèle en moi des nouvelles interrogations, des nouvelles constatations sur SNK, c'est quoi? Bien sûr qu'il faut continuer à y croire. Sans la fanfiction Goku x Anne Frank contre Super Saiyan Hitler, je sais pas. Wesh! J'aurais tenu le coup. Oui, ça existe. Ils veulent capturer Eren et Historia. On doit les sortir de la cité. Il faut faire diversion. Et pourquoi pas 11? En parlant de diversion, vous connaissez le cross-dress? Diversion, pourquoi pas 11? Oh là là, j'avais... Oh là là, j'ai mal au crâne. Oh, j'ai mal au crâne. Pissing? Eh, hey, t'es bonne, toi, et montre-moi ce que t'as sous le capot. Vous n'êtes pas mon char de Fräulein, monsieur. Serre les fesses, Armin. Pense à ton devoir. La mission se passe comment? Tout va bien pour l'instant. Eren et Historia sont en sécurité dans le chariot. Ils arriveront bientôt chez notre Pixis. Très bien. Attends, y a quelque chose qui va pas. Que voulez-vous dire? On parle calmement, la mission se passe sans accroc, et pourtant y a une musique de tension qui devient de plus en plus forte, comme si un boss de Dark Souls allait nous tomber dessus. Vous exagérez, caporal, comme toujours. Moi, je n'entends que le bruit des feuilles portées par le vent, des petits oiseaux et des armes à feu pointées dans notre direction. Get it! Putain, je déteste avoir toujours raison. Regarde, ah oui, vous avez cru que c'était l'animé. L'animé, Levi, c'est le signe que je suis un personnage important. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, merde! Qui se rappelle ma vidéo des différentes langues? Allez la voir, YouTube, si vous avez pas vu. Pourra deux jours plus tard. Kenny! Wesh! C'est quoi? C'est les Power Rangers? C'est quoi? What the fuck? Merci. Par contre, Eren et Historia se sont fait kidnapper. Sérieusement? C'est la troisième fois qu'Eren se fait kidnapper! En un an! Là, c'est plus possible. On l'attache avec une laisse la prochaine fois. Cette petite chienne! Sans compter que le prêtre qui en savait plus sur l'histoire des murs est mort. C'est dommage qu'on ait pas pu l'interroger avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque provoquée par ce couteau! Historia, notre famille, celle des Rice, est légitime. Tu sais que ça me foudra toujours la voix dans Crazy Bomb là. Et je suis ton père. Et je suis ton père. Une preuve que tu sois mon géniteur? Alors elle est où? Bah c'est que... Ce serait le truc le plus stupide et insensé que de faire confiance à un vulgaire inconnu. Faudrait être teubé pour tomber dans le panneau. Dans une réalité alternative où Historia est teubé. Je t'aime papa. Oh ma fille. Transition. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis attaché? Pourquoi l'auteur essaye de m'humilier H24? Bienvenue au club. Oui! Bingo! On le touche! Il se rappelle quand dans Dragon Ball Super, Vegeta il fait la cuisine? Oh, Historia, tu pourras voir les souvenirs de son père et le sort tragique de notre famille! Bienvenue au Fräulein Burger, le burger qui fait fureur. N'hésitez pas à goûter nos délicieux sandwichs au goût de capitalisme. Et un supplément pour les demoiselles, vous aurez droit à mon petit fessier bien dodu. Miam, miam. C'était quoi, papa? J'en ai aucune foutre idée. Oh, c'est faux, je jure, je sais pas ce que je fous là. What the fuck? Je vais te raconter moi-même l'histoire tragique de notre famille, de manière ultra détaillée, longue, et chiante. On a enfin trouvé leur planque. Armin, les explosifs sont opérationnels? Yeah, Captain! Dutch Qualitad! Attendez, ils sont trop chiants. Est-ce que vous voudriez pas essayer de négocier avant?
Fais comme tu veux. Écoutez-moi, rendez-nous Erenis. Écoutez-moi. Je voulais pas dire où. Oh, rendez-nous Erenis, Toria, ou on va vous faire exploser la cervelle. Non. J'ai tout essayé, on peut y aller. C'est ainsi que les rails sont préservés l'humanité au fil des siècles. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a, lui, maintenant? Ça fait trop d'expositions d'un coup. Il a un peu de cerveau. Historia, tu as en toi du sang royal. Si tu acquiers le pouvoir des rails, tu pourras manipuler, je veux dire, sauver l'humanité. Et c'est pour ça que tu dois bouffer, Eren. Hein? T'aurais pas un peu de ketchup? Ne perds pas de temps, rends cette picouze et deviens un titan. Qu'aurait fait... C'est picouze, maintenant? Christa, n'oublie jamais que si quelqu'un te force à faire un truc que t'as pas envie de faire, tu lui défonces sa mère! Papa, techniquement, je peux pas défoncer grand-mère, alors je vais me contenter de ton dos! Ah, mon dos! Moralité, ne faites pas d'enfants! Oh non, vite à ce moment-là! Homo sapiens! Incroyable, mais Eren va le contrôler avec son nouveau pouvoir! Le pouvoir du virus de la mauvaise blague, bien sûr! Tu connais la blague de l'armoire? Elle est pas commode! Comment est mort le Capitaine Crochet? En se grattant les couilles! Je connais une blague zoophile! C'est un homme qui rentre dans un bar! Eren, pourquoi t'es pas drôle? Je sais pas contrôler les titans et en plus je passe pour un con. Voilà notre plan pour stopper ce titan! On va lui insérer des explosifs à travers sa bouche! C'est là qu'il sera le plus vulnérable! Pourquoi ton dessin de lui ressemble à une poupée gonflable? On était pressés, je n'avais pas le temps de C'est vrai que c'est perturbant. Je sais pas si on... C'est important, Crazy Bombs. Au final. Enfin bref, c'est un titan rampant avec une grosse bouche. Quelqu'un a dit rampant? Blair. Je suis la reine légitime de ce royaume. C'est qui a fait ce dessin? Je vais le payer pour qu'il me fasse une animation, moi aussi. Sauver d'un titan qui s'apprêtait à détruire la ville. Et je vous promets de protéger vos familles, vos amis, les petits animaux trop mignons et l'humanité tout entière. Vive Historia! Vive la reine! Quelle beauté! Quel talent! Mais non, vous exagérez. Exagérez encore. T'es encore là, toi? T'as jamais appris à crever? T'es vraiment qu'un petit con d'ingrat. Voilà comment tu... Merci Tsuyo Koko, merci beaucoup pour le Prime. Salut Sorette. Bon Dieu, tu t'es vraiment laissé aller depuis la dernière fois, les drones. Hey, tu pourras répondre quand je t'insulte. Elle peut pas vous répondre. Hein? Oh putain, t'es tellement moche et pâle, on dirait Gollum avec des cheveux. Ma maman est... C'est qui, le chat, c'est qui? Le chat, c'est qui? Non, c'est trop lent, là, c'est trop lent. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon. C'est Livayo, maintenant? C'est quoi? Oh bordel. Je me sens triste. Et c'est ainsi que je t'ai sauvé. Je t'ai pris sous mon aile, tel le super-oncle que je suis. T'es parti 3 jours plus tard en me laissant seul avec un couteau. Hey, te plains pas. Tes parents abandonnent leur gosse et prennent le couteau avec eux. Tes dernières paroles? On dit que pétrir, c'est modeler. Moi, je dis que péter, c'est démolir. C'est quoi cette phrase de fin? J'imagine que je meurs sur ça. Comment se passe votre petite mission d'infiltration? Notre couverture s'est faite cramer et Eren nous a échappé parce que Bertold avait envie de se taper Annie. Hé, hey, toi aussi tu voulais croquer Historia! Donc, vous voulez dire que notre victoire sur une guerre qui dure depuis des siècles a été compromise par 2 blondasses? Nos teubes ont été plus fortes que nos esprits. Ressaisissez-vous, messieurs! Vous partagerez le même destin qu'Ymir. À la maison et en sécurité. Dévorée vivante et remplacée. Bah, j'étais pas loin. Arrêtez la mauvaise foi et allez chercher mon petit frère! Fais attention à toi, vieux. Ok, mais me frappe pas. Mec. C'était affectif, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Je suis pas ton gars, mon pote. Attends, c'est pas une ref à un truc, ça? Mon pote, mon gars, ou un truc comme... Y a pas une ref, ça ose pas. Je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. L'ennui, c'est qu'on commence tous à crever de faim, là. Oui, je m'en rappelais plus. Je t'ai dit de pas m'appeler mec. Je suis pas ton mec, mon pote. Oh, je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Tu regretteras ces paroles, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Tu sais que pour la culture, c'est important de regarder South Park. Oh, bouche le trou! Le trou de qui? Le trou de la sécu! Le mur, connard! Le mur! C'est parti! Ça va, Eren? J'ai réussi! Et j'ai même pas pleuré cette fois! Commandant! J'ai trouvé les traces et d'un copain humain! On n'est pas tout seul! Soldat! Tâtez le terrain pour trouver où se cachent nos ennemis! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oui. Non, y'a personne. Ah, d'accord. Merci! Attends. Ouah. C'était... Il était incroyable ce moment aussi. Sans souci. Oh là là. C'est qu'une armée. Tu sais que ce moment là, je me suis dit non, c'est pas possible.
Ça va, c'est Crainer. Tous ensemble, on peut le battre. C'était une réelle dinguerie ce moment-là, là. Oh. Je me rappelle les frissons que j'avais eus. Frère, j'avais l'impression que j'étais dans la scène. J'étais avec Erwin. J'étais avec Erwin, j'étais en mode... Mon cœur, il s'est arrêté à ce moment-là. Oh, ça va, c'est qu'une armée de titans dirigée par le bestial. On a connu pire. Ça va, c'est que le Berthold qui nous balance des débris de maison en plat. Ferme-la, Angie, à force de parler, ça devient de pire en pire. Hé, les gars, c'est bon, je peux faire mon entrée? Non! T'attends la saison 4 comme tout le monde. Ils ont tout prévu. Ils nous bombardent de tous les côtés. On ne pourra pas s'enfuir avec les chevaux. On a des jetpacks encore pleins de gaz. On peut se barrer quand on veut. Jetpack. On va tous crever! Soldats, savez-vous pourquoi je vous rappelle sans cesse? Oh là là, oh là là, oh là 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 là, mais ce discours! Ce discours! Court. Tu sais que je me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais il y a forcément des mots de citation. Tu dois pouvoir citer Erwin avec ce discours, il y a forcément des mots... Bon. Parce que vous êtes un connard narcissique. Parce que la vie essaye toujours de me baiser à cause de ma beauté. La vie m'a baisé quand j'ai posé trop de questions et que l'État a assassiné mon père. Et quand j'ai perdu des centaines de camarades au combat. La vie tente de nous baiser une fois de plus derrière ses murs. Mais cette fois, nous allons la baiser en retour comme jamais, jusqu'à la dégoûter. Du Kama Sutra. Qui est avec moi? Ouais. Ouais. J'étais pas... Non, j'étais pas prêt. Elle était... Oui, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, cette... Oui. Cette vanne est bien. Oh, la ref. Oh, mais j'avais pas vu. Ils ont mis genre des titans ici. Ils ont mis... C'est qui? C'est Erwin, ça? C'est incroyable! Ils sont trop chauds! Game over. Eren, retiens Berthold! Attention, attention! Je crois que j'ai réussi! Attention! Oui, oui! Oui! Putain, ce moment-là aussi. Eren, tu vas bien? Mon corps, ça va. C'est l'estime de moi qui a pris cher. Je sais pas le dire avant. Vas-y, pour ne pas passer pour un froussard, mais j'ai peur. Aussi peur que Hitler en 45, on a compris. Non, Eren. À chaque fois qu'on part en mission pour sauver l'humanité, j'ai peur de tous vous perdre. Mais quand la peur me paralyse, il me suffit de hurler Fräulein en pensant à vous. Et je n'ai plus de doute sur ce que je dois faire. Tu sais que Fräulein, ça veut juste dire demoiselle à la base. Adieu, camarade. Armin. Qui savait? Qui savait? Moi, je savais pas. Oh là 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 là. Je l'ai cherché. Oh non. Sans plus y croire. Et sans un espoir. Pour me guider. Est-ce que j'étais le seul à avoir chialé à ce moment-là ou pas? S'il vous plaît, dites-moi que j'ai pas été le seul. C'est des chiens de ouf parce que c'était tellement macabre. Genre, frère, tu vois le cadavre, il est carbonisé. Et j'ai crié, crié, Armin, pour qu'il revienne. Non, pour Berthold, je m'en battais les couilles, frère. Crève, Berthold, crève. Pourquoi je lui dis crève? Parce que Berthold, c'est trop une salope. Ah mais soyez honnête, c'est trop un petit toutou, frère, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a à chialer comme ça? Et pourquoi ça pue le cramer? Oh. Injectez-lui le sérum pour le sauver! Par pitié! Attendez, Erwin est encore en vie, c'est lui qu'il faut sauver! Choisissez Armin, j'ai dit Prums! Ok, on va faire simple. Entre Erwin et Armin, qui a le plus de répliques mémorables dans les résumés foireux et qui sont hurlés sans cesse par des... En vrai de vrai, même si j'ai pleuré pour Armin, je pense si Erwin il était là... Sans vous spoiler, je pense que ça aurait été mieux. Armin est large plus judicieux si t'as bien vu la série. En fait, pour moi, le plus important, c'est pas le fait qu'il soit judicieux, Armin. Pour moi, c'est qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a un sang-froid. Et Armin, il a la possibilité d'avoir ce sang-froid, mais le problème de Armin et son sang-froid, c'est que son sang-froid, il arrive trop tard. Ou il arrive toujours à un moment donné où il a un peu de chance, tu vois. À un moment donné où ça y est, il a compris qu'il fallait avoir ce sang-froid-là. Et c'était à 5 secondes. Où il fallait le comprendre, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je trouve que, dans tous les cas, c'est bien que Armin, tu vois, mais je pense que Erwin, ça aurait été un vrai bon choix, tu vois. Erwin, il aurait pas aidé dans l'attaque pour la saison 4. Non mais, ça remanie le truc. Imaginons si on avait sauvé Erwin, Erwin, il aurait bouffé Berthold, tu vois ce que je veux dire? Non, n'abusons pas, Armin, il est pas useless. Armin, il est pas useless. Abusons pas. Moi, je parle juste d'un point de vue purement, comme dit Akarapi, purement stratégique. En termes de stratégie, en termes de tête sur les épaules, en termes d'expérience, Erwin est mille fois plus... Et c'est logique, hein, c'est logique. Même Levi a dit, moi, j'aurais sauvé Erwin. Et Erwin, il a dit, vas-y, sauve Armin. Pour choper Annie, Armin était là.
Oui, mais on aime trop dire « Ouais, il y avait lui pour là », mais le problème, c'est qu'on aurait dit la même chose si c'était un autre personnage qui avait été là pour la choper, tu vois ce que je veux dire ? Les abonnés en convention. Attendez les copains, j'ai eu 2-3 répliques cette saison. J'ai même pas eu de flashback, Shrek, sauve-moi. Et voilà comment tu es encore en vie. J'étais mort et j'ai... Erwin aurait été peut-être amoureux d'Annie, bizarre. Bah non, ça aurait pas été bizarre, mais là tu commences à spoil. On sait pourquoi Armin commence à développer des sentiments pour Annie. Donc ça aurait pas été bizarre en sachant pourquoi, tu vois. Ressuscité pour vos péchés, je suis le petit Jésus version Berlin. Tu te la ramènes beaucoup pour quelqu'un qui a la même coupe que Dora l'exploratrice. Vous en avez pas marre de critiquer les coupes de cheveux? Transition. Nous allons enfin découvrir les secrets que cachait mon père. Les secrets sur mes origines et peut-être celles de l'humanité. Hein? La clé ne rentre pas? Poussez-vous. Qu'est-ce que... Ah, je viens de me rappeler qu'on a une autre cave juste à côté. Oh bordel, merci. Waouh. Et que là, je suis démonétisé, ça y est? C'est bon, c'est fini. Des carnets, qu'est-ce que ça raconte? Attendez, il y a une photo. Ok. Il y a une autre photo derrière celle-ci. C'est mon père avec une autre famille. Dans le passé. Je suis Grisha Yeager. Je viens de la lointaine contrée de Mar où le peuple est divisé en 2 catégories. Les Mar qui gouvernent le continent et les Eldiens, ancêtres d'Ymir, qui sont persécutés sans cesse par les Mar. Ça me rappelle quelque chose. T'emballe pas. Chut, arrête. Coïncidence. Arrête. Plus. Nous portons des brassards en forme d'étoiles pour qu'on nous distingue plus facilement dans la foule. Oh mon dieu, Armin avait raison. J'essaye de vous prévenir depuis le début, mais personne m'écoute. J'ai mené une révolution grâce aux infos fournies par une personne anonyme surnommée la Chouette. Entre-temps, j'ai eu un fils, Zek, qui nous a dénoncé en échange de 5 chocobons. J'aurais dû me méfier de lui quand on lui a donné comme deuxième prénom Judas. Et j'ai vu ma femme et tous mes amis se faire transformer sous mes yeux. Espèce de monstre! Hé, hey, t'as vu la gueule de ta femme et c'est moi que tu traites de monstre! Ne lui manquez pas de respect! Toutes les femmes sont des reines! Si elles respirent, c'est une catin! Wow. Let's go la Chouette. Et je suis un infiltré des ancêtres d'Ymir depuis 30 ans, je viens te sauver. Et pourquoi vous n'avez pas sauvé ma femme et tous mes amis? Hey, c'est dur de sortir du rôle de tortionnaire raciste aussi rapidement. Je suis un excellent acteur. Laissez-moi mourir, allez-vous-en. Regarde cette photo, garde-la en toutes circonstances pour te rappeler de garder le sourire et que la vie vaut la peine d'être vécue. Ma nouvelle raison de vivre. Dans le présent. C'est bien gentil la lecture de Mein Kampf, mais il y a quoi au-delà des murs? Waouh, la mer. Waouh, c'est de toute beauté. Waouh. Waouh, cette mer est plus large que celle de Jean. Mais... Ça vous dit qu'on reproduise le débarquement en Normandie? Pas maintenant, Armin! Tu dois être content, Eren! Voici la fameuse mer dont nous rêvions de voir étant petits! C'est ce que j'ai longtemps cru. Qu'au-delà de la mer, il y aurait la liberté. Mais non, c'est comme les souvenirs de mon père. Au-delà de la mer, il y a des ennemis. Oh, mais quel casse-couille! Sérieux, Eren, pour l'ambiance, on repassera, hein! Pourquoi la saison se termine sur une note ultra pessimiste? Quel petit con! Toujours aussi chaud, hein. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, c'était cool. Encore une fois, moi, je préfère jusqu'à maintenant, je préfère toujours la saison 1. Moi, enfin, de toute façon, vous avez vu, hein, j'ai pleuré de rire. Donc vraiment, je continue à penser que celui de la saison 1 était masterclass. À voir ce qu'ils vont faire pour la saison 4 quand elle sera terminée. Mais ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, moi, j'ai kiffé. Évidemment, comme d'habitude, allez voir la vidéo complète dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir ça. Mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo rediffusion. Bye YouTube, du lundi au samedi, 18h. Ramène-toi.